Bonjour, vous êtes bien sur Fréquence 7 et c'est l'émission Solidaire d'abord. Alors aujourd'hui, nous faisons cette émission par Discord sur Internet parce que problème de Covid. Nous allons faire un état des lieux de ce qui s'est passé au premier tour de la présidentielle et de l'attente du deuxième tour. Bon, tout le monde va bien là? Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va. Alors la première question qu'on va aborder, si vous voulez bien, c'est les sondages, parce que ce sont quand même bien plantés, non? Eh bien, je considère une nouvelle fois que les sondages se sont trompés au niveau des pourcentages, puisque, par exemple, concernant le pourcentage de Valérie Pécresse, on ne l'avait jamais mise aussi bas. Et pour Jean-Luc Mélenchon, les sondages n'ont jamais évoqué la possibilité de dépasser les 20%, comme ça a été le cas. Et donc, on peut imaginer que cela a eu un impact sur les gens pour déterminer leur vote, pour éviter un second tour à nouveau. Marine Le Pen-Macron, vu qu'on les avait assassinés pendant des jours et des jours auparavant, que c'était le second tour qui se profilait. Or, si on avait mis l'Union populaire ne serait-ce qu'à 19, 19,5% dans les sondages, peut-être, c'est une hypothèse que je fais, peut-être que des personnes auraient pu se déplacer pour au moins espérer un autre débat que celui qui nous attend la semaine prochaine. Sans parler de magouille, c'est un peu bizarre. Oui, les sondages, c'est toujours oui, un petit peu frustrant, je trouve. On avait l'impression que tout était figé, et que les choses étaient déjà faites, et qu'on allait rentrer, disons, dans un choix entre Macron et Le Pen. Et quand on avait Mélenchon quand même qui était loin, loin derrière, hein, alors qu'en fait il a obtenu un résultat très très honorable, il a failli être vraiment au deuxième tour. Et c'est vrai que ça peut avoir un impact psychologique sur les gens, hein, en se disant bon c'est foutu d'avance quoi, alors que c'était loin, loin d'être le cas, quoi. Enfin, on s'est fait un peu manipuler parce que ça fait depuis longtemps qu'ils annoncent le deuxième tour Macron-Le Pen. Hein. Ils y tenaient alors Macron-Le Pen. Hein. Il ne faut pas se leurrer les médias. Hein. Et les Alors, médias ont tout fait pour comme ça. c'est vrai qu'il faut toujours se demander. Oui, excuse-moi, ils n'ont absolument pas envisagé que Mélenchon soit au deuxième tour. Depuis le départ, c'est un deuxième tour Le Pen-Macron. Oui. Bon, donc, on peut se poser des questions. Oui, on nous a Oui. mis très rapidement dans le choix droite ou extrême droite. On n'en est pas sorti. Enfin, moi, j'ai pas vu de taux de sondage. Et j'ai jamais vu Mélenchon avec le taux de le score qu'il a eu, parce que vraiment, c'est très très honorable le résultat. Tout à fait. Et du coup, c'est ce qui a provoqué le soir des résultats, à la fois une immense colère et tristesse. Et paradoxalement, une fois ces sentiments dépassés, on sent bien qu'il y a une espèce d'espoir quand même qui se lève, et en particulier du côté des jeunes, quoi. Parce qu'il faut quand même le rappeler que l'avenir, leur appartient. Et on ne peut qu'espérer que, justement, ils prennent le relais et qu'ils se fassent entendre. Est-ce que leur avenir leur appartient vraiment avec ce qu'il nous promet Macron, avec sa croissance, son PIB? Est-ce que l'avenir des jeunes est bien florissant, bien brillant? Je ne sais pas. En tout cas, là, on se retrouve avec un système qui s'auto-reproduit à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on n'a plus de démocratie. Là, on a vraiment une effraction de la démocratie. Enfin, je sais pas, un vol, quoi. On se retrouve à être obligé de voter pour quelqu'un que l'on rejette, hein, parce qu'il y a tout un paquet de gens qui ne veulent absolument plus entendre parler de Macron. Et évidemment, ils vont pas. Alors, c'est choléra contre choléra, quoi, on pourrait presque dire. Hein. Obligé de voter Macron, c'est insensé quand même. En tous les cas, on remarque une France divisée en trois groupes, hein, très, très fort, hein, à la fois Macron, c'est-à-dire plutôt les riches, hein, qui sont pour Macron, hein, disons les gens quand même de milieux aisés, et puis Mélenchon, donc, hein, les gens de milieux plus populaires, et puis Le Pen, comme dit Mélenchon, les fachos pas fâchés.
ou les fachés pas fachos, plutôt, les fachés pas fachos. Alors, bon, c'est trois groupes, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je pense, qui votent pour Le Pen, qui en fait ne sont pas forcément fachos, mais disons, j'allais dire des frustrés, peut-être pas, mais disons des gens, des mécontents, oui, fachés, donc c'est une manière de protester. De voter Le Pen, mais seulement il joue quand même, il joue avec le feu. Voilà, donc il y a ces trois groupes, il y a ces trois groupes, et c'est vrai que ça va pas être simple à gérer. Alors il y a quand même, et je voudrais le souligner, c'est les législatives qui, elles, par contre, peuvent mettre beaucoup de députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Et là, c'est important parce que la démocratie, c'est avant tout le débat, et il faudra que le débat puisse se faire. Et par les législatives, par les députés, il pourra se faire. Alors avant qu'on soit vraiment au troisième tour, hein, c'est-à-dire justement ce que l'on va pouvoir voter pour une assemblée future qui soit plus représentative et qui nous permette de nous exprimer, on peut regarder un tout petit peu les programmes qui sont affichés par les candidats pour ce deuxième tour et les alliances. On se retrouve avec un Sarkozy qui vient dans le camp de Macron. Le Pen, on sent bien qu'avec les institutions, en fait, elle fait ce qu'elle veut. Alors bon, toi, Florence, ces deux candidats, c'est quoi? Macron, sur le plan économique, hein, c'est le programme de Le Pen avec un mépris de classe. Et Le Pen, donc, c'est le programme économique de Macron avec un mépris de race. C'est ça. Et du coup, ça, comment dire, c'est une perception que justement les jeunes, je reviens, hein, de leur côté, les jeunes ont extrêmement perçu. Et c'est d'autant plus palpable, pardon, qu'ils ont vécu 2 ans de confinement. Les lycéens donc se sont vus privés de leurs relations avec leurs amis au lycée, qu'ils pouvaient avoir au lycée, donc pendant de longs mois. Les étudiants ont à peine vu la fac pendant 1 an et quelques, et ensuite ils ont tout de suite été, on a tout de suite exigé d'eux à ce qu'ils rentrent tôt le soir pour éviter de contaminer. Les adultes, et en particulier les adultes fragiles, donc souvent leurs aînés, parce que les hôpitaux étaient en manque de tout. Et aujourd'hui, en fait, en guise de remerciement, eh bien, on remet une couche, pardon de parler comme ça, de Macron. Et donc, il y a vraiment ce sentiment de colère associé à de la tristesse, parce que ben, certains d'entre eux, et ils sont nombreux, n'ont pas pu. Occuper leur petit job, s'occuper de leur petit job pour se nourrir et payer leurs études. Et là, en fait, ben, on leur promet, au lieu d'avoir une aide qui leur permettrait de faire des études, ben, on leur repromet de à nouveau basculer dans la précarité. Et en fait, ils sont extrêmement sensibles aux législatives. Alain, tu les évoquais. Et ils appellent à voter aux législatives, justement, pour faire une sorte de troisième tour, quoi, effectivement. Et puis je pense qu'on ne construit pas, disons, quel que soit le pays, mais on construira pas la France, disons, avec du mépris, qu'il soit de classe ou de race. C'est pas dans le mépris qu'on construit un pays. Oui, et puis là, par rapport à ça, on a même une histoire, hein, parce que Sarko, casse-toi pauvre con, et puis Emmanuel Macron, toutes les phrases. Oui, depuis, elle est redondante depuis plusieurs années, hein. Et sous d'autres électorats, d'ailleurs, on a entendu les sans-dents, on a entendu les casse-toi pauvre con, enfin, il y a eu souvent du mépris de la part des présidents depuis. Oui, là, on voit plein, plein d'alliances du système qui se font à nouveau. Alors, c'est Marisol Touraine, etc. Mais bon, c'est Sarko, c'est certains grands chefs de droite, quoi. Hein, Non, mais que Sarkozy rejoigne Macron, bon, c'est le même parti, on va dire. Après, quand c'est Lannoué ou des gens qui étaient au Parti Socialiste qui rejoignent Macron, alors là, ça pose un gros problème. Je ne sais pas, je n'avais pas compris que les socialistes, ils étaient à droite. Hein. Donc, je ne sais pas. Il y a. Toi, si c'est opportuniste, parce qu'ils veulent se placer quelque part, toi, vraiment, j'ai rien compris à la politique et surtout aux socialistes. mais chez les socialistes, il y a toujours eu des opportunistes, hein, ça c'est clair. Hein.
Il y a beaucoup de tièdes, il y a beaucoup de tièdes, je pense, dans le Parti socialiste, c'est-à-dire sans doute pour ça qu'il s'est cassé la figure, puis beaucoup d'opportunistes aussi, puisque les gens n'ont pas hésité à quitter le Parti socialiste pour aller avec Macron. C'est quand même pas du tout le même message. C'est vrai que là, on voit ce que c'est une carrière politique, hein. Les gens de droite ou de gauche sont capables, à un moment donné, de manger leur chapeau pour pouvoir garder les faveurs du prince et pouvoir garder un petit poste, même s'il est misérable, hein. De toute façon, à l'Assemblée aussi, on a vu la droite ne pas empêcher plein de choses, hein. Ils ont été d'accord globalement quand même avec plein de choses qui se sont faites avec la Macronie. Et même là, on voit bien la difficulté de Pécresse parce que justement, c'était difficile de montrer qu'elle n'était pas pour Macron, hein. Trouver une voie là entre ces deux postures, l'extrême droite et Macron, c'était pas simple pour eux, hein. Tous ces Macron compatibles. Puis ils ont bien failloté, les compatibles. Ils ont bien failloté, tous les compatibles de LR qui sont allés avec, finalement, qui votaient le programme de Macron, les yeux fermés. Donc c'est bien normal qu'ici, ils en payent les conséquences. Hein. C'est ça, soit ils votaient le programme Macron, soit ils s'abstenaient, ce qui revenait au même, compte tenu du fait que l'Assemblée était majoritairement faite de députés LREM. Donc. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas se démobiliser, hein. Il va falloir qu'on ait une assemblée qui puisse proposer vraiment des choses, qui n'avalise pas, comme la précédente, tout ce que Macron peut proposer, quoi, hein. Parce qu'en même temps, on sent bien que ce pouvoir est prêt à mettre de l'eau dans son vin, au moins au niveau des apparences, hein, même pour nous faire croire. Il est même prêt à revenir sur certaines de ses propositions. Finalement, la retraite 65 ans, on peut la refaire à 64, que c'est pas grave, on va pas se fâcher pour ça. Mais non, allez, on passe à autre chose. Oui, non, mais bien sûr, oui. C'est un comportement très bourgeois, hein, c'est-à-dire lorsqu'on a besoin des gens, on les connaît, on va leur parler, et on est poli et sympathique avec eux, et puis lorsqu'on en a moins besoin, c'est-à-dire s'il est réélu président de la République, eh ben après on les dédaigne, hein, on les ignore même. Voilà, c'est un comportement, je crois, il n'a rien inventé, hein, et c'est du mépris aussi. Hein. On sait que ce garçon est méprisant. Oui, et puis ça, Et... pardon, ça révèle Voilà. bien à nouveau cette capacité en fait à se mettre au-dessus des gens et parce que quelqu'un de, comment dire, de qui réfléchirait à sa manière justement d'être dans ses relations humaines ne passerait pas d'un comportement autoritaire comme il l'a fait pendant je sais pas combien d'années à comme tu le dis à l'utilisation d'une voix très douce au point de devenir un gentil petit garçon. Et je ne sais pas s'il se rend compte que la majorité des individus vont absolument pas le croire, et à commencer par les jeunes, les étudiants, qui ont fait des files d'attente pendant le Covid pour espérer manger quelque chose, qui se sont vus presque tabassés lorsqu'ils manifestaient ou ils participaient à des marches pour le climat, d'entendre Macron d'un seul coup, d'un seul, prendre en considération l'écologie, je ne pense pas que. Qui vont l'entendre, vraiment, quoi. Alors c'est vrai que leur programme, c'est un petit peu la diagonale du vide, hein, comme on dit, c'est-à-dire que de toute façon, c'est le système qui décide, hein, au niveau économique, etc. Hein. Moi, je crois pas que ni Macron, ni Marine Le Pen n'amènent de vrais changements pour les gens, pour les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Alors après, effectivement, on se retrouve avec un mec qui vient vous taper sur l'épaule. Alors moi, je supporterais pas qu'il me touche comme ça, le Macron. Vous avez vu comment il attrape les gens, etc. Bon, ça me fait un drôle d'effet. Et en même temps, après, de l'autre côté, on a Marine Le Pen qui nous on parle de la femme au chat, ou je sais pas exactement, pour la rendre plus sympathique. Qu'est-ce que c'est vraiment les programmes de ces gens-là? À part un autoritarisme affirmé, quoi, parce qu'on sent bien que justement, ils ne vont absolument pas nous laisser la possibilité d'aller vers quelque chose qui soit collectif, partagé. Non, voilà, je sais pas quoi dire sur leur programme. Ouais, comment préciser leur programme? Le choix des fois est bizarre. On voit bien que des fois les gens ils basculent d'un côté ou de l'autre, on ne sait pas pourquoi.
pour une phrase, pour un mot, pour voilà, la caresse de ses chats, donc elle a des chats, c'est tous les animaux, voilà, c'est magnifique. Enfin bon, c'est tellement fluctuant et tellement volatile que on ne sait pas. C'est difficile les pronostics d'avenir. Je crois que la France est à droite. Dans l'ensemble, la France est à droite. Hein. On le sait, hein, c'est presque une tradition. Alors, peut-être pas d'extrême droite. Hein. Je ne pense pas que la France soit d'extrême droite. Mais elle est. Oui. Oui, d'ailleurs, la France a voté Hollande, hein, quand même, donc elle est de droite. Oui, mais bien sûr, oui. Hollande, lui, de son, disons, de sa présidence, on en a retenu le discours du Bourget, hein, qui était un beau discours, mais après, au niveau des actes, hein, et il y a un gars, je crois, qui s'appelait Garnier, qui avait écrit un livre, mais il y a déjà longtemps, il y a au moins 30 ans. Hein. Quand il parlait du Parti socialiste, moi j'ai connu des mecs très sympas au Parti socialiste, hein, mais en parlant du Parti socialiste, Garnier a écrit ce bouquin qui s'appelle La deuxième droite. Et c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui sont tiédasses, hein, et qui ont une fesse à droite et une fesse à gauche. Hein, bon, et alors que le néolibéralisme, comme la droite, on sait que ça massacre les gens, hein, dans les libertés, dans la dignité. Dans le travail, ça mutile ça décore. Le pas cher qu'on nous propose tout le temps, ben c'est le travail des enfants, c'est les agriculteurs qui bossent, qui bossent, qui bossent et qui arrivent pas à vivre et il y en a un qui se suicide tous les jours. Hein. Donc le capitalisme, c'est pas le bonheur, ça mène pas le bonheur. Et, si on est un vrai socialiste, moi, je sais pas si on est un type de gauche, on peut pas accepter. Qu'on brade les services publics, le service public, les soins, l'école, la culture, on peut pas tout fracasser comme ça. On a besoin d'un état social plus que d'un état régalien. Hein? T'es en train de nous faire le programme pour les législatives, toi, non? Voilà. On en parle. Oui, de toute façon, quel avenir? Genre de gauche, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme réponse? Eh ben maintenant, c'est plein pot sur les législatives et sur les députés de la France insoumise, moi, il me semble. Hein. On n'a pas beaucoup d'autres réponses. En tout cas, une chose est certaine, c'est que justement les jeunes l'ont bien compris. Encore une fois, c'est pas du tout pour faire la promotion d'une quelconque catégorie de personnes, mais ce qu'il faut bien qu'on se mette dans la tête, c'est que ils n'accepteront pas d'être montrés du doigt, par exemple, pour les questions de dérèglement climatique, parce que souvent, hein, on leur explique tout le temps, et à commencer par l'école, que il faut faire attention aux éco-gestes, etc. Mais ils ont très bien compris, parce qu'ils passent par des canaux et des informations autres que peut-être les nôtres, qui consistent à regarder davantage la télé. Et ils ont très bien compris que les éco-gestes, puisque j'étais sur cette thématique, sont culpabilisants, mais justement évitent de rendre responsables les véritables responsables, à savoir justement toutes les multinationales. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort chez eux. Et c'est la raison pour laquelle ils envisagent et qu'ils ont commencé en utilisant les réseaux sociaux, justement à appeler à voter aux élections législatives. Parce que s'il y a bien quelque chose que l'Union populaire leur a murmuré à l'oreille, c'est celle-là. C'est prenez-vous en main. C'est vous l'avenir en quelque sorte, et n'écoutez pas les sirènes justement des donneurs de leçons en quelque sorte qui vont vous rendre coupable de tous les maux de la terre. Et puis les jeunes, ils militent pour leur vie, carrément pour Exactement. leur vie. Hein. C'est-à-dire, c'est pas rien, et il faut surtout qu'on ne perde pas de temps au niveau climatique. Hein. Parce que les catastrophes, commencent, mais elles vont être de plus en plus dures. Et en 2050, moi, 2050, je serai sans doute mort, ou pas bien loin, hein, mais pour les jeunes, ils seront là, et il faudra gérer. Hein, il faudra gérer les incendies, il faudra gérer. Les montées des eaux, et puis l'air qui devient de moins en moins pur, dis donc, il faudra gérer tout ça, hein, les problèmes, il nous faut, un corps peut pas être disons, dans un climat très chaud, et puis ou très humide, parce que le corps a besoin de transpirer, et il y aura de graves problèmes, et si aujourd'hui le capitalisme,
disons, s'il n'y a pas une réponse politique au capitalisme, parce que le capitalisme, c'est produire, 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 produire toujours plus, et en face, faire consommer des gens. C'est-à-dire, les gens, ce ne sont plus des gens, ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des lombriques. Hein. Il faudrait quand même qu'on m'explique, Macron, quand il supprime les 5 euros d'APL, quand il supprime les aides aux chômeurs, quand là il veut supprimer de nouveau faire la réforme de l'RSA, tout ça, de l'argent, c'est pour faire de l'économie, faut pas se faire d'illusions. Comme il veut relancer l'économie, que les gens y consomment, si ceux qui consomment sur place, qui ne vont pas plaquer leur pognon en Suisse ou en Belgique ou là où on veut, dans les paradis fiscaux, comment il veut que ces gens-là qui touchent moins d'argent consomment? Donc, on tourne en rond, quoi. Ceux qui consomment sur place, qui consomment local, qui consomment français ou étranger, et qui consomment en France, et qui consomment parce qu'ils n'ont pas le choix, le peu qu'ils gagnent, eh bien, ils les dépensent, et ils n'ont pas... eh bien, on les ampute d'une partie de leur argent. Donc, je ne vois pas le raisonnement derrière de Macron en disant toujours, il faut serrer la vis parce que c'est des profiteurs et compagnie. Non, 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 c'est irrationnel. Oui, non, c'est sûr que leur logique est complètement absurde parce que en fait c'est une logique de chiffrage, c'est une logique à court terme. Ils voient dossier par dossier. Et de toute façon, Macron, c'est un homme de dossier, hein. Oui, mais enfin bon. Il voit dossier par dossier. Alors, le premier dossier, c'est de l'argent. C'est-à-dire. On peut aller vers des émeutes de la faim ou de révoltés. Le service régalien qu'ils ont mis en place avec toute leur barda de LBD et compagnie, il va jusqu'à un certain moment. Il va jusqu'au moment où que les gens respectent la police. S'il y a trop de misère, il n'y a plus de respect après. Et là, ça part en sucette complètement. Tout à fait, il y a des gens, ils ont tellement plus rien à perdre que de toute façon, ben, ils peuvent effectivement descendre dans la rue et ça sera valable pour toutes les couches de population, y compris les jeunes. Ils ont quand même du mal à supporter le fait de se dire, alors attends, on va me demander de travailler jusqu'à 65 ans, voire plus en fait, hein, parce on n'en sait rien. Alors ils n'arrivent même pas déjà à rentrer sur le marché du travail. Et ça, c'est tellement évident que pour eux, que du coup, ça les révolte profondément, quoi. D'où vraiment ce sentiment à la fois ouais, de colère et de tristesse, justement, de ne pas avoir opté pour un autre projet de société vivable, tout simplement, quoi, et qui tienne compte des problématiques de tout le monde. Alors le troisième tour s'annonce tout doucement chaud. D'abord, là, en fin de deuxième tour, il y a 70 associations, groupes, syndicats, etc., qui appellent ce samedi à manifester contre Le Pen. Mais d'une manière générale, ils appellent aussi à manifester contre ce système, parce qu'ils sont pas pro-Macron, hein, ces gens, très souvent, hein. Ils sont là pour dire, là, on se fait mener par le bout du nez dans un truc qu'on veut pas. C'est ça, c'est ça. Et les syndicats étudiants appellent effectivement à manifester ce samedi à peu près dans toutes les villes de France, y compris donc jusqu'à Valence, pour nous aussi, pour l'Ardèche, c'est peut-être le plus près pour s'y rendre. Et donc oui, il y a cette volonté de dire, bah, on n'a pas envie en fait de devoir choisir entre un libéral donc méprisant de classe et un autre libéral avec un mépris de race, quoi. Et attention, en 68, ça avait commencé comme ça. C'est ça. À la Sorbonne. À la faculté, à la Sorbonne. C'est ça. Bon, sans revenir en arrière, on pourrait espérer quand même que cette modernité, ce monde qu'on est capable de construire avec de grandes intelligences qui sont capables d'aller loin sur plein plein de dossiers, on pourrait espérer quand même qu'à un moment l'humanité ça prenne sens, qu'on arrive à partager des choses quand même, à vivre ensemble pour de vrai, se regarder dans les yeux, se sourire, vivre quoi, je sais pas moi. Et bon, non, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'on s'est tout volé. On s'est volé notre dignité, on s'est volé notre liberté, on s'est volé nos acquis, hein, que tous nos anciens nous avaient mis en place. Et tout ça pour des termes qui ne sont pas les nôtres, hein, quand on nous parle de rentabilité, de performance, d'objectifs, de compétitivité, de privatisation, de marché, mais on n'en a rien à foutre de tout ça. Hein. On veut une France paisible, apaisée, et on veut des gens solidaires. Il faut être solidaire, hein.
solidaires les uns des autres. On ne peut pas être heureux, à mon avis, si on a quand même trois SDF au pied de sa maison, hein. Il faut être. Le contraire de la misère, c'est pas la richesse, c'est le partage, disait l'abbé Pierre. Et je crois que c'est ça. Et, hein, il faut apprendre, il faut éduquer tous ces gens, tous ces quelques bourgeois qui nous dominent. Il faut leur apprendre le minimum d'éducation et de convivialité, de vivre ensemble, c'est qu'il faut partager. Allez, à bientôt. À Au revoir. bientôt.